Bonjour, bonjour, aujourd'hui un tout nouveau rituel. Donc, et ce rituel, c'est le rituel avec son prénom et de l'eau. Donc, c'est un rituel assez simple, assez facile, qui vous verrez sera assez rapide. Alors, n'oubliez pas de vous abonner, de mettre des commentaires et de liker. Déjà, si vous avez apprécié, c'est comme ça que vous me remerciez avec toutes les vidéos que je fais. Et aussi, comme je le dis, donc depuis un petit moment, si vous me suivez depuis un moment, en tout cas, vous serez au courant que je fais un concours aléatoire, c'est-à-dire que les personnes qui mettent le plus de commentaires, avec des likes et qui sont abonnés, évidemment, des commentaires avec, sur plusieurs vidéos, hein, plus vous mettrez de commentaires, plus vous allez vous faire remarquer par moi. Et donc, je pêcherai de temps en temps, ce sera aléatoire, une personne pour lui offrir un rituel. C'est ma manière de remercier les gens qui me soutiennent, les gens qui participent à ce que les vidéos soient beaucoup plus vues, etc. Parce que quand on like, c'est pas un secret, quand on like, quand on commente, quand on partage aussi les vidéos, ça aussi, partager les vidéos, et qu'on s'abonne, on atteint plus de personnes. Donc moi, ça m'aide. Et puis en retour, je vous offre ce cadeau d'un rituel offert. Alors, qu'est-ce qu'on aura besoin? On aura besoin d'un verre d'eau. Moi, j'ai pris un petit bol, voilà, comme ça. Mais un verre d'eau, une tasse d'eau, c'est pareil. Un morceau de papier. Et une bougie. OK? Évidemment, un bic. Alors, ça, c'est un bic un peu bizarre, mais on va voir. OK. Alors, n'oubliez pas aussi que vous pouvez vous procurer mes livres. Donc, comment devenir une femme fatale en 21 jours. Vous tapez Faraké sur Amazon et vous verrez tous mes livres. On a aussi donc comment sortir. Ce sont des livres de coaching. Hein, comme si vous étiez avec moi, il y a des exercices. Comment sortir d'une relation toxique en 21 jours et éviter de replonger. On a aussi la formation La loi de l'attraction. Tout est sous la vidéo dans la description aussi. Et on a aussi les trois livres de rituels avec les photos. Je vous montre comment faire. Et ça sont des rituels exclusifs que vous ne trouverez pas sur la chaîne YouTube. Alors, si en dernier vous voulez me contacter pour des rituels personnalisés uniquement, pas pour me poser des questions, ça vous les laisserez sous la vidéo en commentaire, et puis comme ça vous pourrez gagner peut-être un rituel gratuit. Et donc mon email ou mon WhatsApp, s'il vous plaît pas d'appel, vous m'envoyez un petit message déjà, vous vous présentez votre prénom avec, vous résumez votre situation, la problématique en 4-5 phrases, les grosses lignes en fait. Par exemple, il m'a trompé ou voilà, on s'est disputé, il est parti. Enfin, vous voyez des choses assez pour que je puisse très, très rapidement voir où vous en êtes et quelle est la situation à débloquer. Alors, on va démarrer. On va déjà prendre le papier. Oups. Et j'ai l'impression que... j'ai un peu tourné ça comme ça. Donc, on va déchirer. Alors, je prends celui-là. Enfin, un plus petit papier. J'ai vraiment l'impression que mon truc est de travers un peu. Voilà, comme ça, ce sera mieux. On va déchirer le papier. Voilà. Et voilà. On va ensuite mettre le nom et le prénom de la personne que vous voulez attirer. Voilà. Donc, on le met comme ceci. Je ne sais pas si vous le voyez. Parce que moi, je ne vois pas la caméra, en fait. Sinon, si je mets la caméra vers moi, tout est à l'envers. Voilà. Ensuite, on va visualiser et donc mettre le papier comme ceci. Et frotter un peu le papier pour bien laisser notre énergie sur cette personne. On frotte le papier. Ensuite, on pense à la personne, évidemment, comme si c'était fait, tout s'est arrangé. La personne est là. Qu'est-ce que vous ressentez comme émotion? Comment vous vous sentez bien?
Qu'est-ce que vous voyez, en fait, pour la visualisation, il faut, et pour ce rituel, il faut faire en sorte que c'est comme si la personne, ce que vous voulez avoir de la personne, eh bien, vous l'avez. Vous voyez? Ensuite, on va prendre le verre d'eau, ou le bocal. Hein. On va mettre les mains autour du verre d'eau. On va le toucher vraiment le verre d'eau et faire ce geste comme ça. Et toujours visualiser. Toujours visualiser. C'est un rituel un peu spécial. Hein. Je vous le dis déjà, vous allez voir ensuite. C'est pas fini. Ensuite, on va prendre le papier et on va le plonger dans l'eau. Alors, je vais regarder si vous voyez bien le... Ouais, c'est parfait. Vous allez plonger le papier dans l'eau. Voilà. Complètement. Voilà. Vous pouvez mouiller vos doigts. Ah, on va faire comme ça, vous verrez un peu mieux. Attendez, voilà, comme ceci. Donc, vous voyez que le papier est complètement dans l'eau. D'accord? Complètement enfoui dans l'eau. Ensuite, on va remettre les mains sur le verre ou le bocal. Et vous repensez évidemment à la personne. Voilà. Donc, c'est-à-dire les émotions que vous ressentez. Vous voyez, vous vous sentez bien, vous pouvez fermer les yeux. Vous vous sentez bien. Regardez deux, trois fois le rituel avant de le commencer. Vous serez dans une meilleure énergie. Toute l'énergie que je vous envoie, eh bien, vous pourrez la choper en fait et profiter. Ensuite, vous allez allumer la bougie. Voilà. On allume la bougie. On va mettre la bougie près du verre. Et ensuite, on va faire quelque chose de bizarre. D'accord? On va cracher dans le verre d'eau. On va mettre sa main, on va couvrir. On attend quelques secondes. On va ensuite à nouveau recracher. Cela, c'est votre ADN. On repose. On couvre, voilà. On va encore recracher et on recouvre le verre. Et ensuite, vous allez réciter trois fois le prénom. Donc le nom et prénom. Nom, prénom. Nom, prénom. Ok. Ensuite, vous allez laisser ce verre. C'est mieux que vous le laissiez dans votre chambre, pas loin de vous, d'accord? Et lorsque, donc ça va être une nuit, lorsque la nuit est passée, vous allez prendre l'eau avec ce que vous avez craché dedans, le papier, et vous allez le verser dans les toilettes. Et alors, évidemment, vous tirez la chasse, et alors attention, après ça, vous allez vous laver les mains, d'accord? Vous lavez les mains une fois, vous relavez avec du savon, hein, vous relavez les mains une deuxième fois avec du savon, et vous relavez les mains une troisième fois avec le savon. La bougie, évidemment, vous la laisserez se consumer jusqu'à ce qu'elle soit, qu'elle soit KO, quoi. Donc, n'oubliez pas, si vous voulez de partager, liker, commenter, n'oubliez pas le concours. Et donc sur le plus de vidéos possible, plus je vous remarquerai. Il n'y a pas de limite, vous pouvez mettre autant de commentaires que vous voulez. Et même si c'est un petit cœur, si c'est merci pour le rituel, voilà, moi je veux savoir aussi que vous êtes content que je fasse toutes ces vidéos. Parce que parfois il y a des personnes qui respectent et moi je dis c'est quand même pas possible. Moi je fais ça, c'est gratuit là ce que je suis en train de faire. Et les gens n'ont aucune reconnaissance ou gratitude. Je trouve ça quand même incroyable. Mais bon, c'est que ce sont des gens qui ne sont pas bien avec eux-mêmes. Et voilà, c'est pour ça qu'ils ont cette petite. Négativité. Donc, restez positif et puis on se retrouve pour un prochain rituel. Bisous, bisous!